Ce soir, nous réunissons tout l'écosystème numérique. Entreprises, grands groupes, start-up, PME, TPE, gouvernements, régulateurs, collectivités locales, associations. Nous sommes tous réunis pour dresser le bilan d'une année 2019 qui a été riche pour les opérateurs télécoms. Et nous allons tracer quelques perspectives communes pour 2020. 2020 sera l'année de la fibre, évidemment, l'année de la 5G. Absolument, nous sommes très motivés pour le lancement de la 5G et donc il est important de pouvoir avoir ce moment de réunion collective pour faire de 2020 une année de succès pour la France, pour les entreprises et pour les opérateurs télécoms. Je suis très heureuse de participer à cette cérémonie des vœux 2020 pour la Fédération française des télécoms. J'étais là pour vos vœux l'année dernière. Et j'ai l'impression que c'était il y a, je ne sais pas, peut-être 10 ans. Tant l'intensité des sujets et le rythme de déploiement des infrastructures numériques ont été intenses. Nos actions prioritaires, c'est tout simplement permettre à l'ensemble de nos concitoyens d'accéder à l'Internet, que ce soit au travers des réseaux 4G, donc à l'occasion d'inauguration de pylônes, mais aussi permettre aux plus jeunes de comprendre les dangers de l'Internet. Ce sont des ateliers sur le cyberharcèlement, des ateliers sur les fake news dans les collèges pour permettre d'échanger avec les jeunes, avec les enseignants, avec les familles sur ce que Internet représente pour notre population. L'enjeu de 2020, c'est être au rendez-vous. C'est que les trains qu'on a fait partir depuis maintenant 2017, ils arrivent à l'heure. Donc ça veut dire qu'on doit finaliser la phase prévue au titre de 2020 dans le New Deal, notamment tous les pylônes que nous avons lancés il y a maintenant un an et demi doivent sortir de terre avant juin 2020. Toutes les collectivités, elles sont 10 000 à passer des anciennes technos aux nouvelles technologies avant fin 2020. Donc c'est ça l'enjeu de 2020, c'est être à l'heure de nos rendez-vous fixés et déployer collégialement, avec efficacité, mais avec exigence.